Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 251 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Mini Bikers. Alors, le test devrait être assez rapide étant donné que le jeu, moi je le connais, donc je vais pouvoir vous expliquer en quelques mots en quoi il consiste. Et on va vite s'apercevoir que c'est un jeu de merde. Voilà. Moi, je vous le cache pas, dès le début, c'est de la merde. Voilà, voilà. Tout simplement, j'ai une voix de merde. Alors, on va se faire des tournois. Donc, comme vous l'imaginez, Mini Bikers, c'est un jeu de petite moto. Mini moto. Et on va se faire des tournois. Alors, juste pour que vous vous rendez compte, ce jeu, il a... on peut avoir 1320 étoiles. Il y a 3 étoiles par circuit, ça veut dire qu'on est entre 400 et 500 circuits jouables. Truc de ouf. Voilà, c'est juste un... Voilà. On a le jeu en ligne démarrage dans 2 jours. Ok. Donc, c'est pour dire le nombre juste de circuits qu'il y a. Juste, on va aller dans le premier tournoi. Voilà, on va choisir la première course. Alors, j'ai fait des records de merde. Même la première course, je n'arrive pas à avoir une seule étoile. J'arrive pas à arriver dans les 3 premiers. Enfin, en tout cas, j'ai fait 2-3 courses, donc... Je l'ai fait 2-3 fois, donc j'imagine que je peux pas y arriver. Peut-être que je vais y arriver dans cette vidéo. On va espérer. Donc, on choisit le tournoi, on choisit la course. On peut améliorer la puissance de notre véhicule avec l'argent qu'on a là en haut à droite. Bon, du coup, bah voilà, je viens de dépenser tout mon argent. Hein. Donc c'est parti, je prends mon petit bonhomme. Et ça se joue simplement. Vous avez le circuit, voilà, on a une vue du circuit. Ça commence pas tant que j'ai pas cliqué, normalement. Vous avez des bonus sur le circuit, et il n'y a pas besoin d'avancer, ça avance tout seul. Il faut juste tourner. Et c'est parti. Regardez-moi ce départ déjà. Voilà, donc j'ai juste à tourner. Par contre, c'est une sorte de mini-biker stock car. Hein. Attention, si vous touchez un adversaire, vous avez de fortes chances de vous viander par terre, et de faire même des cabriolets. Ça veut rien dire du tout, des cabrioles. Alors, on chope des petits bonus, les petits éclairs. Par exemple, ça, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, j'ai un bonus, je sais pas à quoi il sert. Voilà, il y a des marteaux qu'on peut lancer, qui atterrissent rarement sur la cible. Et on a un petit booster. Par contre, celui-là, ça a l'air de marcher un peu. Yop, et voilà. Vous voyez, on est déjà au deuxième tour de la première course. Je suis deuxième, donc c'est plutôt bien, parce que jusqu'à maintenant, j'y arrivais pas, hein. En fait, c'est très très difficile de doubler quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y a des commandes que je ne connais pas. Hein. Peut-être qu'il y a des boosters, peut-être qu'il y a des... En tout cas, moi, je les connais pas. Et c'est vachement problématique pour gagner. Parce qu'en fait, je peux même pas rattraper le premier. Alors, du coup, j'ai un peu du mal à gagner quoi que ce soit. Une petite protection. Voilà, on arrive au tour 2. Là, déjà, je vois pas comment, moi, je peux rattraper le mec qui est devant. Alors, pour l'instant, ouais, non, je sais pas. Sachant qu'il est vachement loin. Est-ce qu'il y a une touche que je ne connais pas? En tout cas, je n'ai pas eu d'aide pour ça. D'ailleurs, tiens, je vais virer ma souris de ça. Voilà. Ah non! Ah non! J'ai arrêté de regarder pendant une seconde. Et je me suis blindé. Donc j'espère que je ne vais pas perdre ma place juste pour ça. Hop. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'action sur cette course. Hein. S'ennuie un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai gagné 2 étoiles parce que je suis deuxième et j'aurais pu gagner une étoile de plus si j'avais été premier. Une étoile de... Voilà, simplement. Donc, je vais faire la deuxième course. J'ai pas pu la faire jusqu'à maintenant parce qu'en fait, il faut évidemment avoir gagné celle d'avant pour faire celle d'après. Vous avez compris. Hop. Alors, voilà, même ça, c'est pas évident parce que vous avez tellement de courses que c'est un peu dur à... Yop. Celui-là. Donc on va aller au Japon, celle-là je l'ai jamais faite du coup parce que j'avais jamais été qualifié pour la faire. J'ai 500 donc je vais mettre à jour mon équipement. Je ne peux pas si le traitement, tiens, voilà. On dépense assez rapidement son argent quand même. Voilà, ça coûte 500 par machin, hop. Allez, on reprend notre petit bonhomme et on est parti pour une course cette fois-ci. Ça m'étonnerait que je sois aussi bon. Même si on peut pas... Regardez-moi ce public. Par contre au niveau des décors, au niveau du graphisme, c'est vraiment... très simplifié, hein. Ouais, y a pas vraiment de public, ou alors ils nous font des doigts d'honneur, je sais pas. Ok, c'est parti. Allez, pour l'instant je suis premier, ça c'est bien. En fait, il faut partir tout de suite en bonne position pour espérer gagner quoi que ce soit dans le jeu.
et ne surtout pas se viander une seule fois. Si vous êtes premier dès le début, vous pouvez être premier tout le long, du coup. Il suffit juste de tourner. Vous pouvez pas tomber en tournant trop fort. À part ralentir, ça vous fait rien. Le principal problème, c'est de taper les bords. Voilà, si vous tapez les bords, je peux pas vous promettre quoi que ce soit. Là, je vais mettre un peu du beurre derrière moi. Voilà, ça va ralentir un peu mes ennemis. Utiliser des éclairs, mais ça sert à rien. Hop. Allez. Bon, du coup, cette course devrait être rapidement gagnée. Hein. Bizarrement, en fait, c'est pas aussi dur. La première, en fait, je pense que c'est le temps de s'habituer à la façon de jouer, du coup, comme j'ai déjà joué hein, il y a tout à l'heure avant de faire cette vidéo. Parce qu'il fallait bien faire ça, hein, parce que sinon, sinon c'était vraiment mauvais. Ok, moi j'ai eu mes 3 étoiles, je suis content. On peut faire la course suivante, Italie. Donc au moins ça s'enchaîne assez rapidement entre les courses. Oula, là je peux mettre à jour un peu mes bonus. Donc il y a une différence comparée à beaucoup d'autres jeux avec des bonus malus sur le terrain, c'est que ce que je ramasse apparemment, bah, je peux l'améliorer. Donc je vais améliorer le turbo. Et une fois et plus. Donc c'est pas l'engin en tant que tel, c'est le bonus que je vais choper, que j'améliore. Allez, on est parti pour cette deuxième course. Et ben en fait, je pensais pas... Je pensais que j'ai... Voilà. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je suis 12e. Et je vois pas comment je vais pouvoir rattraper tous les autres. Voilà, c'est... La partie commence bien. Hop. 8e. Regardez comment, vous avez vu comment ça a fait quand je suis rentré en collision avec l'autre. Ça a été tout simplement n'importe quoi. Et l'autre, même quand il se viande sur moi, bah moi ça me fait perdre complètement. Alors par contre ils ont tous des petites voix de tafiole. Hein. C'est vraiment mini bikers, ils ont insisté sur le fait que ce soit mini et donc du coup bah forcément ils se sont mis... Ils se sont mis un truc dans une ambiance qui va bien avec ça. Hop, je passe 7e. Putain, gars. Regardez ce qu'il vient de se passer là. Voilà. Hop. Je pense que je me suis pris un marteau. C'est sûrement pour ça. On voit pas trop ce qu'on se prend dans la tronche. Hop, là une plaquette de beurre par terre. On sait pas ce qu'ils disent en fait, ils disent rien d'intéressant. Voilà, donc là ça m'étonnerait que je gagne quoi que ce soit hein, avant de rattraper tout le monde. 6e, ouais. À moins d'un gros coup de bol. Il n'y a pas de bonus magique qui vous font passer devant tout le monde. Voilà, ça c'est des protections la plupart du temps. Il y a un avantage, c'est que le bonus, on l'a tout de suite. Voilà, bonus de protection, bon. C'est pas tellement... Voilà, ça c'était censé être un truc qui me permet d'accélérer, mais en fait, voilà, je me suis fait quand même doubler par un mec. C'est mal barré pour les étoiles, hein. Je vous garantis pas, là. Mais je pense que sur le test, il va pas aller beaucoup plus loin que cette course là on en a voilà, c'est, y a rien de nouveau dans les autres courses à part les circuits. Alors franchement quand vous savez qu'il y en a 400 à 500 circuits, dites oh con, le genre de jeu on pourrait y passer sa vie entière. Et sauf que j'ai pas envie de passer ma vie entière à faire des tests. Vous imaginez un let's play d'un mec qui fait tous les circuits? Bah il aurait jamais fini. Oh, je suis passé 6e, bien. Ah, par contre, je suis déjà au tour 6, donc bon, bah, voilà. À moins que je trouve comment accélérer. Non, il n'y a pas de moyen d'accélérer. Il faut partir tout de suite en pole position, sinon vous êtes mort. Voilà, je suis 6e. Et donc, j'ai rien gagné du tout. Voilà. Alors on va essayer de se le refaire, allez. Parce que je suis joueur.
j'ai gagné 125 pièces. Ouais, super. Je peux absolument rien en faire du tout. On va essayer de mieux partir sur cette course-là. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence et qui fait que vous arrivez dans les premiers ou pas. Voilà. Si vous faites viander dès le début, c'est mort. Donc faut pas se faire toucher par les autres parce qu'en fait c'est même pas vous qui conduisez mal, c'est les autres qui vous empêchent d'avancer dès le début. Au cinquième, il y a moyen. Non, il y avait moyen, mais il n'y avait plus moyen du tout. Deuxième, il y a moyen. Oh non, il m'a irradié. Cinquième, sixième. Ça pue. Non. Ah vas-y, c'était un malus de merde, voilà. Voilà, il me faut renverser. Voilà, onzième. Voilà, ta mère. Ta putain de mère. Voilà. Hop! Oh, cinquième! Bien, mais il faut arriver troisième hein, pour avoir la moindre étoile et pouvoir débloquer le circuit d'après. Sayonara. Bon, on va éviter de se faire attraper par les autres déjà. Ce sera un bon début, je trouve. Oh putain. Oh putain de merde. Oh comment je suis mort. Comment jamais je gagnerai quoi que ce soit. Il y a pas beaucoup de... Ouais, les bonus de soi-disant accélération qui font accélérer que dalle. C'est vraiment sur les virages derrière que je vais les avoir. Ok. Ah, je suis bien septième. Et j'ai toujours aucun moyen de les... Alors, on va regarder du coup s'il n'y a pas des contrôles que je connaîtrai pas. Bouton du gaz, volant, clavier. Je sais pas ce que c'est le bouton du gaz. Ok. Donc vous avez vu, on vient de dépasser le sixième, j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Et du coup, les bonus sont vraiment pas intéressants quand même. Pour un jeu de ce style-là, c'est un peu dommage, je trouve. J'ai vraiment aucun moyen de rejoindre ceux qui sont devant moi, quoi. Encore s'il y avait moyen, s'il y avait une solution qui permettait de le rattraper avec des boosters, avec quelque chose. Mais là, ouais, là, je pense que c'est mort. Ça se joue à rien et s'ils ont de l'avance, c'est foutu. Je les rattrape vraiment tout doucement. Il y a peut-être moyen. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, non. Oh non, fils de pute. Oh putain de merde. Cinquième. Ah non. Tout ça parce que vous voulez toucher, quoi. Tout ça parce que vous avez le malheur de les toucher de loin. Quatrième. Voilà, j'aurais pas mon étoile. Tant pis. Ça aurait pu. Il y aurait eu moyen. Il y aurait eu un petit moyen, mais non. Donc voilà, on a fait le tour pour ce jeu, donc pour Mini Bikers. Il existe un équivalent mini voiture, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je le ferai pour voir si c'est un peu la même chose et si surtout s'il y a autant de pistes quoi, c'est voilà. Je pense qu'il y en a un qui est sorti avant l'autre, donc je pense que déjà le jeu en ligne il doit être disponible. À vue de nez, ça doit être un jeu qui est récent. J'ai pas regardé la date parce que bon, bah démarrage dans 2 jours, j'imagine qu'ils vont lancer le jeu en ligne dans 2 jours. Déjà, ça serait bien qu'ils terminent à faire un jeu bien. Voilà. Selon moi, il faudrait quand même qu'il y ait un jeu bien avant. Voilà, donc c'est un jeu qui,
peut être sympa, amusant, on s'en lasse vite, je trouve. Alors, je sais pas du tout les pistes qu'il peut y avoir après, aussi bien ça devient un peu intéressant, mais déjà les bonus, bon bah voilà, c'est les bonus qui laissent un peu à désirer. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, à commenter, à partager, à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il y en a plein d'autres jeux, j'en fais tous les jours, enfin en ce moment, parce que je m'étais arrêté, vous vous rappelez. Donc en ce moment, j'en fais tous les jours, à 17h. Pour le moment. Donc rendez-vous sûrement demain à 17h et puis on se dit à plus quoi. Salut !